Qualité. Et n'a remercié la presse tout qui était porté support avec coordonnateur G 150 à savoir moi-même Pierre-Saint côté que escadron la mort qui porté bourré sur nous côté que on ba nous plusieurs balles mais malheureusement joie pas pour yo et pour nous dire nous retourner à la vie et n'a remercié tout bon policier qui était fait nuit là à monter descendre devant l'hôpital là pour ne pas nous reprendre dans l'hôpital là pour nous tuer nous et nous remercier bon policier ça et nous remercier tout population tout dirigeant qui te porté support avec nous support psychologique et l'adrien nous remercier nous pas citer non pour pas gagner jalousie parce que yo en pile c'est notre cadre de bataille n'a mené dans pays là notre cadre goumen nous pour nous restaurer l'état que nous vivons victimes, à savoir que nous devons déposer une plainte dans l'ILCC, contre une institution dans le pays qui est un symbole de corruption, qui est ONA. Nous devons déposer une plainte dans l'ILCC, malheureusement, pas jamais rien qui fait. Et bien, nous ne pouvons pas camper la bataille là toujours. Nous continuons à chercher. Nous fouillons, nous devons découvrir le dossier. Côté que, en décembre 2021, James Marc Jean-Baptiste débloqué 14 millions de gouttes pour directrice adjointe là te décorer Luna. En bien, pas de rien, mais un bouquet fait pas acheter. Deuxièmement, il débloqué 23 millions de gouttes pour directrice adjointe là pour faire fête demain. Mais mon maman pensionnaire pas arrivé jeune petit cadeau. Troisième agent, James débloqué. Il débloque 23 millions de gouttes encore pour passer cap dans l'ONA. Pas un cap cacheté, mettez dans l'ONA. Quatrième agent, James Marc Jean-Baptiste débloqué 4 décembre 2022. Eh bien, il a débloqué 15 millions de gouttes pour l'ONA capable de pétirer. Tout le monde a regardé. Il a un coup de pied sous le bail, l'ONA. Il a regardé ça. Il a parlé, c'est document, dossier en main, nous parler, à le vérifier. Eh bien, directeur ILCCA, qui c'est Hans Jacques Ludine Joseph, pas jamais mené enquête dans l'ONA, parce qu'il s'est nagé, bien dans l'argent l'ONA. Parce que madame nous, qui c'est Clara, c'est administratrice adjointe dans l'ONA. Il n'a pas jamais foué bien dans l'ONA pour poser question. Depuis le mois de juillet, l'argent débloqué, bon l'argent dans le budget l'ONA pour employer au gaz. Ça fait 6 mois, pas jamais bon coup. Qui baille employé pour gagner gaz. Et puis l'agence a débloqué, elle est dans le projet James Marc Jean-Baptiste. James a acheté, n'importe 600e de l'année, un autre malveillant, ancien député Keskofla, qui est Alfredo Antoine, pour puisse passer 40 000 dollars américains. Sinon, l'ONA, et bien, ça a débloqué l'argent, il a mangé l'argent, pendant que ce n'est pas question de l'ONA qui a réglé. Eh bien, je dis, nous dis, à partir de toutes données, ça a nous gagné, nous avons intérêt. On a saisi le cabinet de destruction des dossiers parce que l'ILCC il fait un clan avec James Marc Jean-Baptiste dans l'ONA pour désinstitutionnaliser tout l'État. Nous-mêmes, étant que nous qui ne veulent pas partir qui courent des pays, nous prenons responsabilité pour nous alporter plainte et saisir le cabinet de destruction des dossiers une fois pour nous tracer un exemple dans l'État. Merci. Le Marc Jean-Baptiste a patogé dans l'ONA là dans l'an. Mais l'équipe équipe li rentre à cli en dans l'ONA jodi a la. Nous gagnons c'est Jean-Yves directeur numéro 2 dans logistique. Nous gagnons Eddy directeur numéro 1 dans logistique toujours. Nous gagnons Chile Lazare directeur numéro 1 dans marketing. Nous gagnons Junior Rosemont qui est directeur portefeuille. Nous avons Karen Cadet, directrice numéro 2 dans les ressources humaines. Nous avons Richard, directeur numéro 2 dans les ressources humaines toujours. Nous avons Gidley, directeur numéro 2 dans le service social. Nous avons Saint-Jacques Modelé, directeur administratif. Nous avons Aspilé, chef cabinet de James Marc Jean-Baptiste. Et bien, c'est lui-même qui sont spécialistes
dans sacré les corruptions dans l'ONA, c'est lui-même même cap côtier tout ça et le James le Marc Jean-Baptiste là. Nous avons Emmanuel Augustin qui est coordonnateur. Nous avons Clara, directrice adjointe, madame directeur ILCCA. Côté que nous avons directeur à pas jamais voulu la poursuivre avec enquête là pour capable bailler population résultat que lui-même la pesponté. Nous avons Wilgo Michel, président syndicat numéro 2, dans bien avec équipement en dedans. Nous avons Deristil Richelieu, membre cabinet. Nous avons Gino Jean-Baptiste et Tamara Jean-Baptiste, qui se frère accès Joshmi Jean-Baptiste, qui est assistant directeur dans la direction marketing en dedans. Nous avons Enz, mes amours, yote kembe nan van visa nan pays Bahamas kap fè gagot l'autre bois. Et bien, je dis à la, li vin entre tête li an dan ou na vin comploter ensemble avec James Lee Marc Jean-Baptiste pour continuer gagoter boîte là. Qui se même équipe sa yo qui vini pour boter ou na pour al mette la kayo directement. N'ap mande presse pour yo retire pile volo sa yo nan l'ONA. Mais quelques nan moun kap supporte James Lee Marc Jean-Baptiste nan l'ONA. Nous gen Glena Joseph qui se madame Ariel. Nous gen Jean Gué. Nous gen Tolbert Alexis qui est ministre pour nan mel jounen jodi a la. Nous gen Gary Pierre Paul Charles jodi a encore. Nous gen Maître José Pierre lui qui se secrétaire général Palais National encore. Et bien tout moun sa yo, yo mette James Lee là pour lever l'ONA ba yo pour y al déposer la kayo comme bien personnel yo qui pas bay population en service. Je ne jodi à nous-mêmes nous lever camper comme citoyens engagés pour nous demander pour enquêter et ensuite pour capable juger moun sa pour condamner yo pour crime corruption que eux-mêmes y a bien là dans l'ONA. Merci. Non pas monsieur Nicolas Pierre, alors secrétaire général G105. Il y a un bon gabot qui a fait à travers tout ministère yo et à travers toute direction yo. Côté pas grand un cap réglé pour peuple haïtien, c'est tout un cap garder qui gens pouvoir à pied demain. Mais on va garder soulagement peuple là pour demain, c'est seulement y a garder comment demain se lever, comment y a récupérer pouvoir. C'est une raison qui fait nous même au niveau JIDA et nous toujours dit population c'est les pour fouiller pied dans cause à pour gailler on. C'est pas fouiller pied dans cause à pas gailler on complot qu'a fait sous doule. Côté Ariel, gain trois nouveaux conseillers qui c'est Milan Manida et Laurent Cécile et Pasteur Fleudor. Avec dit trois monde, c'est trois nouveaux conseillers que Ariel gagne pour continuer à gaboter dans le pays. Dans ce sens, nous-mêmes, au niveau JIDA, nous disons, peuple là, n'est pas courir pour nous courir quitter le pays. Au lieu de nous courir, c'est pour nous camper bataille avec Ariel Henry. Parce que Ariel Henry, c'est un agent dans le département d'État. Et Maître André Michel, Majorie Michel, nous savons son bon monde qui travaille pour les États-Unis, qui travaille pour le groupe Bini. Ou après, Fédération des gangs ici, c'est Bini qui fédère les gangs. Et le groupe encore, c'est lui qui dirige le pays. Mais si vous voulez faire des choses pour Haïti, ce n'est pas dit que vous avez papier haïtien dans tout le monde. Vous avez fait des choses pour suspendre vos examens dans le pays. Vous avez fait des choses pour Haïti car vous souffre dans le pays, parce que c'est la caillou, c'est là où on vit bien, par l'autre côté où on vit bien que la caillou. Mais c'est dommage, Haïtien pas comprendre un an, hein? Et Joe Biden a pris un poisson d'avril, et puis on allait dans toute immigration, on allait camper, même privé dormir devant immigration, pour qui ça, pour qu'on ajoute un bout de passeport, pour qu'on visa pour aller vivre bien dans le ciel. Même si dans le ciel là, c'est pas dans le ciel où on aller, non? Car il Sam, pour yo les aller là, il a ouvert le ciel là, il a ouvert vivre bien. C'est peut-être ça nous-mêmes au niveau JIDA. Et nous demandons peuple là. Nous restons, on bat ensemble. Et c'est vrai, nous bien et France LB en tant que DG la police qui pas venir là pour régler rien dans le pays. Seulement contenter les belles machines et les pile policiers avec elle. Mais peuple là pour tout côté, peuple là prend balle tout côté dans mes bandits. Bon bataille qui éclate là. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant, vite l'homme a monté actuellement dans la parler là. Malgré au fait toute tentative pour aller la police pour le support, pas qu'il y ait une qui intervient parce que c'est
bandi kap dirije pays a. Mais c'est le bagay me konnen, bonjour la jou pour Haïti. Bonjour la jou pour peuple haïtien parce que on les peuple haïtien pour bon côté, l'a dit ça va pas continuer comme ça. Et si l'a dit ça va pas continuer comme ça, gen nèg kap kite pays a. Gen nèg kap pran sa flèt dans même peuple là, gen nèg kap pran toutes sortes de coups dans même peuple haïtien. Et on va regarder là tout près là. C'est avant hier bon bateau qui portait 72 containers pour traverser la marina Saint-Chavire et qui portait camion au moins pour traverser la marina Saint-Chavire. Mais pour qui ça obligé faire ça? Et on connaît bon Dieu qu'est-ce qui mettait au sérieux qui mettait au était capable avec eux, il était dit bon monsieur, bail peuple en chance. C'est vrai l'état ba nous les gains. L'état ba nous quatre blanches pour fonctionner dans le pays. Mais on cap vivre mal là. C'est malheureux malheureux qui pas même gain rien. C'est malheureux, malheureux, est-ce qu'il va pas manger? C'est vrai, bandit, il va venir manger, Kounia. Kounia, il va venir manger. Avec Dieu, il n'y a pas besoin de connaître. Merci beaucoup, c'est Philippe de Franck. Pardon à tes gens.